It's sometimes very difficult to say yes, to say see to things, because... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 01net TV. Nous sommes bien le 12 mai 2016 et c'est 01 Live Hebdo. 01 Live Hebdo, vous l'avez remarqué, un petit peu particulier car je suis tout seul. Mais enfin, pas tout à fait, parce que dans un instant, Jérôme Colombin sera à mes côtés, mais par la voie du web, puisque Jérôme est au CES Asia à Shanghai. Avec le décalage horaire, il est oulala très tard. On va le retrouver dans un instant. Il va nous donner un petit peu toutes ses tendances. On retrouvera aussi Jean-Sébastien Zanqui, qui va nous parler de SoundCloud tout à l'heure. Vous savez, SoundCloud, c'est un service de musique assez génial et qui passe au payant en France. Qu'est-ce que ça apporte? On verra ça tout à l'heure. Et puis Raphaël Grabli nous rejoindra aussi dans ce 01 Live Hebdo pour parler du G5. C'est le smartphone haut de gamme de LG. Que vaut-il ce G5 face à la concurrence qui est quand même assez compliquée? On verra ça tout à l'heure avec Raphaël. Je tenais aussi à vous rappeler que... pour cette 100e du 01 Live Hebdo. C'est la 100e pour ce numéro. Vous vous rendez compte, 100 numéros de 01 Live Hebdo, ça fait plus de 2 ans. On est ravis d'être toujours là. Et merci de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et bien pour cette 100e, on va vous offrir des cadeaux. On va vous offrir des enceintes Bluetooth et des casques aussi Bluetooth JBL. Il suffit d'aller sur la home de 01net. Vous allez voir, il y a un petit onglet. Vous cliquez, vous laissez vos coordonnées, vous participez au tirage au sort. Et peut-être que vous remporterez donc ou soit une enceinte Bluetooth, soit un casque Bluetooth JBL. C'est voilà notre manière à nous de vous faire un petit clin d'œil, de vous offrir des cadeaux pour cette 100e du 01 Live Hebdo. Vous savez aussi qu'on a notre question 01 Net Orange. On va y revenir dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ravis d'être avec vous. Voilà, et puis tiens, on est en train de faire une petite expérimentation, les amis, pour cette 100e. Vous pouvez nous retrouver sur 01net TV, bien sûr, en direct, puisque nous sommes en direct. La preuve, il est 18h02, passé de 30 secondes. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aussi sur YouTube, sur Dailymotion. Et la nouveauté, c'est que pour ce soir, si tout va bien, on est en direct sur Facebook. Voilà, vous savez que Facebook a lancé son Facebook Live. Donc maintenant, sur la page de 01net TV, eh bien, vous pouvez retrouver le flux en direct de 01 Live Hebdo. Notre question, donc, 01net Orange en ce jeudi. On va parler tout simplement des services de streaming audio. Vous savez, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Sébastien Zanqui pour SoundCloud qui arrive en payant. Et bien justement, notre question de cette semaine est la suivante. À quel service de musique en streaming êtes-vous abonné, les amis? Allez, dites-le nous. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a Deezer, il y a Spotify, il y a Apple Music, il y a Tidal, il y a SoundCloud donc, qui vient d'arriver. Il y a aussi le français Qobuz, il y a Napster, un petit peu moins connu, sauf si vous êtes abonné à SFR, puisque c'est le service qui est fourni avec les abonnés SFR. Et puis Google Play Music. Donc allez-y, c'est sur la home de 01net ou sur la page de 01nettv.com. Vous votez et vous nous dites sur avec quel service de musique streaming vous passez vos journées. On compte sur vous, on fera un point tout à l'heure. Le hashtag 01live aussi, si vous voulez réagir en direct, on est connecté via Twitter. Pour débuter donc, direction Shanghai. Et je suis ravi d'avoir, par le biais de Skype, Jérôme Colombin. Est-ce que ça marche? Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez, Paris? Écoute, on t'entend très bien, ça marche, c'est formidable la technologie quand même. Bon, Jérôme, il est quelle heure quand chez toi marche, là? Oui, c'est bien. Il est minuit, François. Ah. Il est minuit. Bon. Je veille. Tu veilles, c'est très bien, c'est sympa pour nous. En piste pour 01 Live. Bon, alors tu vis pour nous donc ce CES Asia. C'est la deuxième édition, je crois, hein, du CES Asia, Jérôme. Oui, exactement, ça a démarré l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'est que ce CES Asia? En fait, c'est une déclinaison du CES de Las Vegas, du grand CES de Las Vegas. Et d'ailleurs, Gary Shapiro, que tu connais, hein, l'organisateur du CES, est actuellement à Shanghai.
Parce que voilà, Gary Shapiro a expliqué que la Chine était, on le sait, c'est l'un des pays qui connaît la plus forte croissance économique actuellement, et notamment dans le secteur des technologies. Donc il faut être sur place, il faut s'intéresser à toutes les entreprises chinoises versées dans la technologie. Et l'idée, c'est de créer un CES ici à Shanghai. Il faut savoir que c'est un petit peu une tendance. Vous avez également l'IFA qui a créé un IFA spécial Asie à Shenzhen. Et puis le Mobile World Congress également aura une édition asiatique prochainement à Shanghai aussi. Voilà, Florian Beaufoton nous dit que tu n'as pas assez filmé de babes. Je ne comprends pas ce message codé. Mais bon, ça veut dire sans doute quelque chose. Hein. Il y en avait quand même quelques-unes, visiblement. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. Bien sûr qu'il y en a. Jérôme, deuxième CES Asia. C'est comment Shanghai, tiens ? Raconte-nous, c'est bien ? Oui, Shanghai, c'est une ville extraordinaire, qui est incroyable. C'est une ville qui a connu un développement économique et ces dernières années qui a littéralement explosé. Donc c'est des gratte-ciels, c'est beaucoup plus impressionnant que New York même. Il y a entre 15 et 20 millions d'habitants, suivant les districts qu'on inclut ou pas hein, dans Shanghai. Donc c'est hallucinant. Je suis allé, François, parce que tu connais aussi, on était venu ensemble il y a quelques années. C'est vrai. Je suis allé faire un petit tour dans le quartier qui s'appelle le Xuchahui, qui est le quartier de l'électronique, où on trouve normalement tous les magasins high-tech. On y était allé ensemble, François, mais je peux te dire que je suis un petit peu déçu là. C'est plus que c'était, le quartier de l'électronique. Il y a pas mal de magasins spécialisés qui ont fermé, qui sont remplacés par des malls très luxueux, etc. Bon, si on n'est pas fan des sacs à main et des parfums, c'est moins amusant. Voilà. Voilà. Et puis en plus, comme Jérôme est un fan de shopping, hein, je dévoile quelques pans de sa vie privée, il m'a dit hors antenne que c'était pas intéressant en plus financièrement. Donc voilà, je pense qu'il va vite rentrer. Jérôme, en revanche, il y a toujours ce problème en Chine, c'est la liberté d'expression, on le sait, et surtout, on va dire, l'impossibilité pour toi de te connecter à des services que tu utilises pourtant au quotidien en France et partout dans le monde quand on voyage. Exactement, c'est assez incroyable, hein, vu de chez nous en Occident, mais oui, quand on arrive ici en Chine, on ne peut pas accéder à Google, au service Google, donc pas de search, pas de Gmail, pas de Google Maps, etc. On n'a pas Facebook, pas Twitter, pas YouTube. On a vraiment l'impression d'être coupé du monde. Ça fait 3 jours que j'ai pas consulté Twitter. Je ne peux pas suivre le hashtag 01. Tu commences d'ailleurs à avoir quelques boutons. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais tu es en manque physiquement de Twitter, hein, j'ai l'impression. Je suis exactement en manque physiquement de Twitter. Alors, pourquoi ça ? Parce que la Chine, c'est un monde c'est un pays qui est un pays univers, un pays monde, et donc qui a ses propres services. Alors, vous avez Baidu à la place de Google, vous avez Youku à la place de YouTube. Mais le problème, c'est que tout est en chinois, donc pour les étrangers c'est quand même pas très facile. En revanche, il y a des points positifs. Par exemple, l'accès à la 4G n'est pas cher du tout. On peut avoir une carte prépayée 4G, 2 gigas pour moins de 10 euros, donc c'est pas mal. Puis il y a même de la 4G dans le métro. On n'a pas ça en France. Ouais. Mais étant donné que tu peux pas te servir de la majorité des services, c'est normal que ce soit pas cher. Ouais. En plus, on comprend pas trop comment sont faits les choix, parce qu'on n'a pas Google, mais on a Microsoft. Enfin bon, c'est assez étrange. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Skype fonctionne. La preuve, on te voit. Ouais. Mais en plus, 01net TV fonctionne en Chine, les amis. Nous ne sommes pas censurés. Vous pouvez regarder 01 Live Hebdo chaque jeudi. Ça, c'est cool. Bonne nouvelle. Ouais. Voilà. À mon avis, ça va couper maintenant. Hein, ça va couper maintenant. Ouais. Tu crois ? Ouais. Bah zut, c'est dommage. Bon, Jérôme, puisqu'on sait maintenant à quoi ressemble Shanghai, on a découvert CES Asia, qu'est-ce que tu as vu là-bas qui est intéressant ? C'est quoi les tendances high-tech en Chine ? Alors, ce CES, faut bien comprendre, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que le CES de Las Vegas. Malgré tout, il y a des choses très intéressantes. Gros déballage d'objets connectés. Bon, on va pas y revenir, hein, c'est un peu des classiques maintenant, que ce soit pour la santé, pour la maison, etc. On connaît. Gros déballage de drones. Il y a un espace de démonstration de drones. Il y a énormément de marques, alors qu'on ne connaît pas, nous, en France, hein, des marques chinoises qui font des drones qui ne m'ont pas semblé exceptionnels. Bon, si ce n'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a toutes les tailles, il y a des drones qui se démontent, des drones qui se plient, tu peux en porter dans ton sac à dos. Il y en a un que j'ai repéré qui ressemble un petit peu au Bebop de Parrot, c'est assez amusant. Et puis, cap sur la réalité virtuelle. Donc là, vraiment, on suit le mouvement qu'on a pu vivre également au CES de Las Vegas. Réalité virtuelle avec des masques, des lunettes de réalité virtuelle. Et quand je dis réalité virtuelle, c'est au sens large. On parle aussi de réalité augmentée. Et là, on a vraiment un déballage de nouveaux produits qui arriveront sur le marché dans les mois qui viennent. Tu as vu des toutes petites lunettes de réalité virtuelle, je crois, non ?
Exactement, voilà, ce sont les lunettes, alors c'est assez imprononçable, c'est de l'eau de l'eau. Et ça, c'est vraiment une avant-première que je vous montre parce que c'était dévoilé à Shanghai alors que ce sera annoncé officiellement prochainement à New York. C'est quoi ? Bien, le but, c'est de faire des lunettes de réalité virtuelle encore plus légères, encore plus faciles à porter. Alors, je ne sais pas malgré tout si on les portera à la plage hein, parce que faut pas oublier que des lunettes de réalité virtuelle, on est quand même immergé dans un univers fermé. Mais elles sont super légères, elles sont assez design, vous les voyez, elles pèsent à peine 80 grammes. Et ça, c'est du 100% chinois. C'est un exemple intéressant de ce qui se fait actuellement. D'accord. Bon, il nous tarde qu'elles arrivent en France parce que après, il y a enfin la chose intéressante, c'est que la plupart de tout ce que tu as vu n'arrivera jamais en Occident, en Europe. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment destinées exclusivement au marché chinois. Et puis, alors, mais malgré tout, il y a des choses qui, par exemple, les lunettes, je pense qu'elles arriveront en Europe et aux États-Unis. Ouais. Il y a d'autres produits dont je vais te parler tout à l'heure qui doivent être également distribués dans les autres pays. Après, bien sûr, qu'encore une fois, la Chine est un univers à part entière et donc ils n'ont pas forcément besoin, dans l'immédiat, surtout pour une start-up, de viser immédiatement le marché américain ou autre. Hein. D'accord. Alors, dans un instant, on va vous faire découvrir deux trucs incroyables, un robot étonnant et puis aussi une valise. Mais alors là, franchement, pour ceux qui voyagent beaucoup, vous allez vous régaler, c'est une valise high-tech, un truc de fou. Mais juste avant, Jérôme, tu disais que, évidemment, ça n'a pas la même ampleur que le CES de Las Vegas. C'est beaucoup plus petit. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que c'est tellement petit qu'à côté du CES Asia, il y a un autre salon dédié à la boulangerie chinoise. C'est ça ? Oui, mais qui lui est beaucoup plus grand. Tu m'étonnes. C'est quand même plus c'est important. Assez... Excuse-moi, mais pourtant Dieu sait si depuis des années on soutient la high-tech, mais un bon pain, une bonne baguette, c'est imbattable quand même. Hein. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Puis c'est alors là, faux. C'est la boulangerie au sens large, hein, parce que je vais te dire que par curiosité, je suis allé y faire un tour. Ça m'étonne pas de toi. Aussi, ça m'étonne pas de toi, ça. On n'a pas seulement des pains au chocolat et des croissants, c'est la confiserie, c'est la boisson. C'était la foire de Paris. C'était la foire de Paris, mais version chinoise. Donc c'est assez dépaysant. Voilà. L'avantage du CES pas très grand, mais ça c'est bon, ça c'est un peu private joke entre toi et moi. C'est vrai que bon, c'est plus facile de travailler dans ces conditions quand on se fait pas marcher dessus. On a le temps de toucher les produits. Alors par contre la communication n'est pas facile puisque y a peu de Chinois qui parlent anglais. Donc il faut parfois bricoler avec des traducteurs automatiques ou dans un anglais très 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 approximatif. Très bien. Bon, on y va. Tu as rencontré un robot étonnant, je crois. Alors oui, c'est un robot qui fait le café. Ah, c'est tout simple à dire. Mais oui, tu sais, on dit tout le temps. C'est d'autant plus important, Jérôme, qu'à côté, tu le disais, il y a le salon de la boulangerie. Donc les deux vont bien ensemble. Exactement. C'est spécial petit déjeuner. Et en fait, on dit souvent que les produits high-tech, tu sais, c'est un running gag, oui, il fait ça, il fait ça, il fait ça, mais est-ce qu'il fait le café en plus ? Eh bien celui-là, oui, il fait le café. Mais ce qui est étonnant, je trouve, c'est la manière de le voir faire. Voilà, donc c'est ce bras robotisé. Alors, le robot lui-même, c'est un robot danois, donc n'importe qui peut acheter, en quelque sorte. Et ensuite, il faut le programmer. Et là, c'est une société de Pékin, pas de Shanghai, mais dont l'activité, quand je leur ai demandé « Mais c'est quoi votre business ?», il me dit « Nous, on fait des robots et du café. » Je dis « Pardon ?» Le concept, c'est ça, c'est des robots et du café. C'est-à-dire qu'ils ont un coffee shop, ils ont un café ouvert au public à Pékin, dans lequel, eh bien, c'est ce robot qui prépare les boissons. Et il le prépare à l'ancienne, je dirais. C'est pas un expresso, on le voit. C'est un. Alors il fait bouillir de l'eau, il moue du café en grains, il verse délicatement le café, puis l'eau bouillante. C'est impressionnant, hein, ces mouvements-là. Et alors c'est pas fini parce qu'ils vont lui apprendre aussi à faire les hot dogs bientôt. Non mais quand je pense, c'est Tom Cruise qui va avoir du mouron à se faire. Parce que le jour où il y aura un robot comme ça qui fera des cocktails comme Tom Cruise, franchement, là, la boucle sera bouclée. Voilà. Non ça, mais c'est là, clair. Ouais, exactement. Bon, mais je trouve ça génial parce que ça va arriver. Hein. Et il paraît, alors je suis un peu sceptique, mais ils me disent non, mais c'est parce que ça prend du temps malgré tout. Il paraît que c'est pas plus long que quand un humain fait du café, il dit qu'en 5 minutes c'est réglé. Ouais. En revanche, il faut avoir une grande cuisine parce que ça prend un peu de place ton robot oui, café quand c'est même. Vrai. C'est vrai. J'imagine bien ça chez toi. Ça peut être sympa. Bon. Et puis s'il se dérègle, il te donne une grande torgnole. Voilà, c'est ça.
là maintenant, les amis, accrochez-vous. Parce que, alors Jean-Sébastien, Raphaël, c'est vrai qu'on voyage quand même pas mal. Ouais, hein, on a notre petite valise cabine, etc. Qu'on trimballe à droite à gauche, ouais. Voilà, on se dépêche, voilà, pour éviter la soute. Vous savez quoi, on est has-been. Ah ouais. Parce que Jérôme a vu la valise de demain, hein, Jérôme, on est d'accord. Ah, j'étais sûr que ça te plairait, ça. Ah, ça, ça me... Hein, c'est la valise ultime, c'est la valise de geek, du geek voyageur. Ben, c'est la valise robotisée qui avance toute seule. Donc, elle roule, elle a un petit moteur. Ah, j'adore. Voilà. Je la veux. Elle a... Évidemment, il faut qu'elle puisse suivre son propriétaire. Donc, le propriétaire est obligé de tenir. Pour l'instant, c'est un truc qui est un peu gros. C'est cette espèce de machin que la jeune fille tient dans la main. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Oui, c'est un truc. C'est pas très discret. Hein. On a l'impression que c'est une grosse trousse. Exactement, parce qu'il y a tout le système informatique dedans. Et ils nous promettent qu'ils vont le miniaturiser. Ils en feront un bracelet ou même ils arriveront, espère-t-il, à en faire une bague. Dans ce cas-là, ce serait effectivement beaucoup plus pratique. Quant à la valise elle-même, ben, elle a les quatre roues roulettes classiques et en plus, elle a deux roues voilà, crantées sur le dessous. Et c'est ça qui fait avancer. Et c'est quand même assez amusant. Bon, alors évidemment, vous allez me dire, pour les escaliers, il faut quand même la porter. Si on fait pas attention, n'importe qui passe derrière et va attraper la valise et va partir en courant avec. À mon avis, c'est un peu ça le risque. Alors Jérôme, on est en train de voir d'autres images. Il y a une espèce de volet qui s'ouvre dans la valise. En fait, elle est high-tech. Il y a pas mal de connexions à l'intérieur, non? On a l'impression. Oui, tout à fait. Exactement. Parce qu'elle n'a pas seulement l'aspect robotisé. Elle a aussi, tiens-toi bien, une batterie d'appoint pour charger ton smartphone, ton ordinateur, etc. Elle a un tracker GPS qui permet de la localiser grâce à une appli dédiée. Et elle a un verrouillage automatique qui se pilote lui aussi avec le smartphone. Et enfin, elle a un système d'alerte. Si tu t'en éloignes de plus d'1,50 m, c'est ton smartphone ou la fameuse bague qui se met à biper. Il reste de la place pour les vêtements, du coup. C'est vrai, Jean-Sébastien a raison. On peut mettre quand même des chaussures et de chemises à l'intérieur ou... Oui, non, c'est plutôt... Alors, c'est une petite valise, c'est une toute petite valise. Donc, du coup, c'est vrai que ça pose une question parce qu'à mon avis, ce système-là aurait plus de sens sur une grosse valise. Mais là, c'est une petite valise et franchement, ils l'ont bien optimisé. Et en plus, c'est un produit de bonne qualité, hein, visiblement. Et ça sort quand, Jérôme, et à quel prix? Alors, ça devrait sortir en novembre, nous dit-on. Actuellement, c'est sur Kickstarter. Ils sont en train de terminer leur plan et ils pensent la vendre 500 à 600 dollars. Voilà. Et je vais te faire une confidence, moi j'en ai commandé une, c'est mais il y avait une réduction au CES. J'en étais sûr qu'il allait la commander. Ah là là, tu sais quoi? Mais franchement, il me tarde de te voir avec ta valise qui ne te suit pas, parce que je suis sûr que ça ne va pas marcher, et tu vas courir dans Roissy derrière ta valise, et là on va bien rigoler. Franchement, et là je ferai une vidéo et je vous la montrerai, c'est promis. Voilà. C'est possible. Hashtag 01 live ouais. Si vous voulez réagir, si vous croyez à cette valise high-tech. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Sébastien, Raphaël? C'est plutôt rigolo. Après, effectivement, je sais pas si c'est très sécurisé d'avoir sa valise qui suit derrière. Si on la regarde pas et qu'à un moment on se rend compte qu'elle est plus là. Mais alors, tu as oublié de nous dire, Jérôme, je crois que tu m'en avais parlé tout à l'heure. Quand on s'éloigne trop de la valise, on a le smartphone qui sonne, c'est ça? Oui, c'est ça. Au-delà d'1,50 m, on a le smartphone qui sonne. Donc quand on est dans la... quand elle part dans la soute de l'avion, elle sonne pendant tout le vol, en fait. Raphaël, pas de mauvais esprit. Oh là là, vous savez quoi? Vivement que Jérôme la reçoive, cette valise, on va bien rigoler. Là, franchement, ça va être sympa. C'est cool. Bon, très bien, Jérôme, tu restes avec nous parce que on va un peu poursuivre l'actualité en France avec Jean-Sébastien. On va parler de SoundCloud. Et puis tu reviendras dans la partie labo parce que tu as vu aussi des smartphones et notamment un smartphone, un nouveau Honor que tu nous as fait découvrir d'ailleurs puisqu'il est déjà en vidéo sur 01net TV. Donc à tout de suite. Et puis tu peux intervenir puisque la connexion fonctionne. Donc c'est génial. Un petit mot sur notre question 01net Orange. Je vous rappelle que depuis 18h, on vous demande de participer à notre sondage. À quel service de streaming musical êtes-vous abonné? Eh bien pour l'instant, les amis, c'est Spotify. Sans trop de surprises. Spotify avec 43%. Juste derrière Deezer. Voilà, parce 25%. Parce qu'on est en France, à mon avis, je pense que ça doit oui, jouer. Je pense qu'aux États-Unis, à mon avis, c'est peut-être pas 10 heures. Voilà, ouais. Je pense que voilà. Apple Music, nous avons en troisième position avec 21%. Et puis vous le voyez affiché. Google Play Music, 7%. SoundCloud, 7% déjà, alors que le service vient d'être lancé. On va en parler dans un instant. Napster, 1%.
Et puis Tidal et Qobuz, 0%. C'est bien dommage pour Qobuz qui est un service de qualité et qui aurait bien besoin d'avoir pas mal d'abonnés puisqu'on sait qu'ils ont eu quand même quelques difficultés financières en toute fin d'année. N'hésitez pas, vous pouvez voter notre question 0net orange sur www.0net.com. Et puis comme c'est la centième de ce 0 en live hebdo, je vous le rappelle, on vous offre des enceintes et des casques Bluetooth JBL. Il suffit, alors là c'est très simple, de vous inscrire, de répondre à une toute petite question qu'on vous pose mais qui est très très facile. Et puis si vous êtes tiré au sort, vous remporterez ces jolis produits. Vous savez que bon, JBL fait du matériel, on va dire, quand même de qualité en matière de son. Eh bien, ils sont pour vous. Donc, 0net.com, il suffit de vous inscrire. Bonne chance. Jean-Sébastien, on parlait de SoundCloud. Oui. Voilà, SoundCloud, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis 2007, ouais, tout à fait. Et voilà que ça arrive en version payante. Oui, alors ils se lancent cette semaine. Ils sont lancés mardi en France au prix de, comme les autres, 9,99€ par mois. C'est seulement le quatrième pays dans le monde où c'est disponible, la France. Donc on est un peu privilégié par rapport au reste du monde. Et ils ont quand même un argument massu par rapport aux autres services, c'est-à-dire qu'ils proposent 125 millions de titres dans leur catalogue. 125 millions. Quand alors que d'habitude, il y en a combien? Une trentaine de millions. Une trentaine de millions. C'est ça. Donc voilà. Et tout le monde s'aligne à 30. Hein, c'est, oui, oui, c'est les catalogues, en gros des majors, voilà, plus les labels indépendants, c'est environ 30 millions de chansons, on ne peut pas en rajouter beaucoup plus. Ouais. Donc comment, SoundCloud Go arrive à fournir autant de titres? En fait, ils se basent sur le catalogue qu'ils ont accumulé depuis 2007. C'est-à-dire que SoundCloud, à la base, n'est pas vraiment un service de streaming comme les autres, puisque ils permettent aux artistes d'uploader leurs démos, leur mix, si c'est des DJ, leur remix, leur mashup. Donc on a une créativité qui est assez incroyable sur SoundCloud et qui rappelle un peu à l'époque MySpace d'ailleurs, hein, quand il y avait beaucoup de groupes qui étaient sur MySpace, qui se faisaient repérer par les maisons de disques d'ailleurs. Donc en plus des 30 millions de titres maintenant officiels des catalogues de maisons de disques, ils ont encore tout ce back catalogue, on va dire, qui continue d'ailleurs à être mis à jour, puisqu'il y a 12 millions d'artistes par mois qui upload de nouveautés, de nouvelles œuvres. Beaucoup de remix notamment. Il y a beaucoup c'est de remix, ouais, tout à fait. Je me sers beaucoup de l'appli parce qu'il y a beaucoup de remix de titres qu'on connaît et que des DJ comme ça postent de manière gracieuse. Il y a plein d'artistes qui mettent ça et c'est que là-dessus, on peut pas les trouver ailleurs. C'est ça, souvent d'ailleurs, il y a des artistes connus qui ont un compte au même titre que nous. Hein, et entre deux albums officiels qui sortent en maison de disques, ils peuvent mettre des démos, des inédits sur SoundCloud et là, c'est eux qui les gèrent directement. Donc il y a en plus une proximité avec l'artiste qui est assez intéressante et qui n'existe pas sur d'autres services. Bah alors malgré tout, SoundCloud a fort à faire par rapport à la concurrence, hein, parce qu'on voit qu'il y a Deezer, Spotify, Apple Music, Spotify qui domine, on l'a même vu dans nos sondages. Ça va pas être un peu compliqué pour SoundCloud ? Ça peut être compliqué pour SoundCloud. C'est vrai qu'ils se lancent là-dedans parce que c'est une sorte de fuite en avant aussi pour eux. C'est-à-dire que depuis quelques années, ils avaient des soucis avec les maisons de disques parce que des gens aussi mettaient des morceaux officiels. Et c'était un petit peu illégal, on va dire. Les maisons de disques leur est tombé sur le dos. Ils ont dû négocier avec eux et finalement, ils se sont dit, on va lancer ça. Et effectivement, par rapport à des services qui sont déjà bien installés, comme Deezer en France, Spotify dans le monde, Apple Music aussi maintenant qui commence vraiment à prendre de la place, ça va être compliqué pour eux. Surtout qu'au niveau de l'ergonomie de l'application, ça reste encore à améliorer. Par exemple, il n'y a toujours pas de navigation possible par album. C'est-à-dire qu'on a les titres, on n'a pas les albums. C'est dommage. Ça va arriver dans pas longtemps. Ça va arriver dans 3 semaines, tout au plus, ils sont en train de développer. Mais pour l'instant, ça manque. Autre fonctionnalité qui manque, c'est il existe du téléchargement en local sur son appareil pour pouvoir écouter si on est hors connexion. Comme Deezer, Spotify, tout à fait. Mais on ne peut pas rajouter de morceaux comme ça à la volée. C'est-à-dire que les morceaux doivent être soit dans nos favoris, soit dans des playlists déjà. Donc si on a envie d'écouter un morceau sans l'ajouter, on ne peut pas savoir si c'est un favori sans l'avoir déjà écouté. Donc voilà, il y a des petites améliorations ergonomiques qui restent encore à faire. En revanche, quand même, pour les mélomanes et les amoureux de musique et ceux qui adorent découvrir des nouveautés, alors là, c'est vraiment le paradis total. C'est ton cas, hein, Jean-Sébastien, parce que tu es vraiment le mélomane de la rédac de 0net. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt moi, j'aime beaucoup. Il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on voit là, la démarrer une station du titre. C'est-à-dire qu'on a un morceau qu'on aime bien, on fait démarrer la station. Ça existe d'ailleurs sur d'autres services. Hein, et ça va nous faire une playlist automatique avec des titres similaires à ce titre-là. Ça existe sur les autres. Voilà, aussi, tout à fait. Sauf que là, on a à la fois donc le catalogue des maisons disques, mais aussi les autoproduits, les indépendants, les remixes. Et des fois, on se surprend à dire, mais c'est quoi ce morceau? Oh là là, c'est vachement bien. Et c'est un artiste absolument inconnu. Et là, on peut suivre ce qu'il fait. Donc, ça permet de creuser encore un peu dans une richesse musicale qu'on n'a pas les autres services. Il y a Gotcha qui nous dit, SoundCloud est aussi un réseau social orienté musique, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a une couche de
de réseau social sur SoundCloud, qui est beaucoup plus importante d'ailleurs que celle de Spotify, de Deezer. C'est peut-être ça aussi qui va les sauver et qui va faire venir pas mal d'abonnés. Tout à fait, on peut avoir une communication avec les artistes, et aussi cette couche de réseau social permet à SoundCloud d'avoir des signaux supplémentaires, comme ils m'ont raconté, sur ce qu'on aime. C'est-à-dire que les titres qui sont proposés par exemple dans ces stations, ils vont être aussi proposés en fonction des commentaires qu'on a pu laisser sur un titre, de si on a liké un titre ou pas. Donc il y a des informations supplémentaires que n'ont pas d'autres services, que eux utilisent pour recommander encore plus finement la musique. La qualité de son, c'est ce qu'on nous demande aussi sur Twitter. Est-ce qualité que la... de son, c'est du MP3 320, tout simplement, donc du classique. Comme Deezer, par exemple. Voilà, comme Deezer, un peu moins bon que Spotify qui propose de l'Ogg-Vorbis. Voilà, tout à fait. Donc, bon, mais c'est déjà pas mal. Tu l'as testé, Raphaël ? Moi, je l'utilise souvent. Alors, j'ai pas encore testé la nouvelle version. Par contre, j'utilise souvent SoundCloud. Moi, j'adore ça, simple, parce qu'on trouve des trucs, oui, voilà, des morceaux qu'on trouve par ailleurs. Moi, je suis certains artistes qui publient qui publient des morceaux. Voilà, le seul petit côté négatif, je trouve, c'est voilà, l'aspect un peu fouillis. Tout de à la fait. Chose ça et reste encore, quand ils arriveront à faire un truc bien propre, on s'y retrouve facilement. Je crois qu'ils vont, ils auront une base de données assez importante et ils seront assez forts à mon avis. Voilà, donc à découvrir SoundCloud. En plus, la bonne nouvelle, c'est que le premier mois est gratuit, hein, comme tous ces services de streaming par abonnement. On prend pas trop de risques. Il faut rentrer malgré tout ses coordonnées bancaires, mais c'est très facile de se désabonner au bout de la période d'essai. On reçoit un mail avec la date de fin d'abonnement, on peut se désabonner avant et c'est bon, on n'est pas facturé, donc il n'y a pas trop de risques. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui. On va parler maintenant d'un gros morceau quand même en matière de smartphone, c'est le LG G5 qu'on vous a fait découvrir pratiquement en avant-première au Mobile World Congress, c'était en février dernier, un smartphone qui nous avait bluffé de par son double appareil photo, de par aussi son côté un peu mutant, hein, le fait qu'on puisse rajouter des accessoires. Raphaël, tu l'as eu en main, le test est disponible sur 01net.com et 01net.tv. On voulait avoir ton avis ce soir. Alors, on a été bluffé par le côté modulaire, en utilisant, on va être clair, c'est marketing. Voilà, ça sert pas à grand chose. Déception. Par contre, non, alors déception là-dessus. Voilà, ils ont fait un bon coup marketing. Par contre, il a plein de qualités quand même. Ouais. Déjà au niveau du design, en fait, LG a fait une espèce de reboot de sa série, hein, entre guillemets. Ils ont complètement repensé le design. Ils ont fait une coque en métal qui a un aspect très brut, comme si c'était un peu sorti d'usine, pas encore peint, etc. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas apprécier. Moi, je trouve ça hyper joli. Après, il y a cet effet un petit peu avec les deux appareils photo. Un effet presque requin-marteau, quoi, un peu. On a, comme le Nexus 6P, un peu, voilà, on pense un peu à ces téléphones-là. Voilà, donc au niveau du design, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait des super efforts. Moi je le trouve super joli, très agréable. Il est hyper puissant, il a Snapdragon 820 et 4Go de RAM, c'est la configuration type des smartphones de cette année, le Galaxy S7 qui varie avec le Exynos chez nous, le HTC 10. On a fait des tests de benchmark. Oui. Il est arrivé premier, voilà, donc c'est le plus meilleur puissant que le Galaxy S7, ouais, alors, que le HTC. Franchement, honnêtement, oui, dans l'usage, on verra absolument pas la différence. Voilà, les gens qui veulent jouer énormément, il n'y aura aucun problème, il est extrêmement puissant. Donc c'est la batterie qui est amovible et c'est en fait un peu le seul point intéressant de cet aspect modulaire. On peut sortir la batterie, c'était déjà le cas sur le G4. Sauf que là, c'est le premier avec une coque vraiment en métal, avec cet aspect haut de gamme où on peut le faire. Et en plus, c'est très facile. Je ne sais pas si on a la caméra derrière. Alors voilà, donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton et on sort la batterie. Donc on la change à la volée. Si on n'a plus de batterie, bah, on se balade avec une autre sur nous et c'est hyper simple. Ouais, enfin cela dit, moi je trouve que c'est une fausse bonne idée parce qu'à la limite, on vaut mieux s'acheter une batterie, enfin les powerbanks qu'on branche. Et puis, mais effectivement, par contre, si, je sais pas moi, si on part dans la forêt et qu'on veut faire une session photo, qu'on veut pas s'arrêter une demi-heure ou une heure le temps de le recharger parce que ces batteries, ça met quand même un peu de temps à charger. Oui, on part avec plusieurs cartouches de batterie. Quoi, exactement. Donc là-dessus, ça peut être utile vraiment pour certains types d'usages très particuliers. Et il y a le capteur photo grand angle. Qui est en qualité pure, il n'est pas exceptionnel, mais c'est super sympa. Ah ouais, j'adore. On a des paysages comme ça à 135 degrés, c'est vraiment bien. Il y a quelques points négatifs. Alors l'écran, je l'ai mis en point négatif, en fait, il est très bien. Simplement, il n'est pas assez lumineux, j'ai trouvé. Il est moins lumineux que celui du G4, c'est un peu dommage, même si les couleurs sont super, super belles. Voilà, quand je l'ai pris, mon premier réflexe était de mettre la barre de luminosité pour monter à 100, et en fait, il était déjà à 100. Ah. Donc il y a une petite, une petite frustration là-dessus. Il est endurant correctement, moins bon que le S7, voilà, il est moins endurant que le S7. L'appareil photo principal, donc qui est de 16 mégapixels, donc pas le grand angle.
Il est bon, il est dans notre top 10 d'ailleurs des smartphones en effet. Qui a été publié la semaine dernière. Mais le pire, c'est qu'il est derrière le G4 qui est sorti l'année dernière. Il est moins bon que le G4. Voilà, il est moins c'est incroyable. Il est moins bon que le G4, surtout en basse luminosité. Et Adrien, il a fait plein de tests. Effectivement, quand on regarde les photos, il est moins bon que le G4. Donc, mais c'est pas, ça reste un bon appareil, mais voilà, il est un peu en deçà. C'est au niveau coût, voilà, ils ont voulu mettre un autre appareil, donc ils n'ont peut-être pas pu mettre un appareil aussi bon. Et ce que je disais au début, c'est l'aspect modulaire. Voilà, c'est un coup marketing. Pour le moment, il y a deux modules. Il y a le LG Cam Plus, c'est un petit module qu'on place pour prendre des photos. En fait, ça se résume à un bouton pour prendre des photos plus facilement. Ça améliore pas la qualité optique. Oui, donc, mais on a disons qu'on a une prise en main à la compacte. Voilà, en fait, il l'offre avec le G5. Oui. C'est vraiment fait pour ça, parce que sinon, il est vendu 100 euros. Moi-même, pour 15 euros, je ne l'achèterais pas. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, par contre, c'est un cadeau. Et bim, non, Raphaël, voilà. Mais c'est un cadeau, c'est sympa, ça fait vendre. En tout cas, ça mange pas de pain, on va dire. D'accord. Et il y a le fameux DAC. En plus, le DAC, ça vaut le coup si on a des fichiers en haute qualité, donc du FLAC sur notre smartphone avec un super casque. Pour écouter du son. Voilà, si on écoute du SoundCloud, on ne verra pas la différence. Voilà. Mais ça reste, honnêtement, conclusion, moi j'ai préféré quand même au HTC 10. Oui. Et c'est pour moi le meilleur après le S7, je l'ai mis quand même 4 étoiles. Donc c'est un super appareil. Moi j'aime bien la fonction grand angle qui est quand même assez impressionnante. Je ne sais pas si on peut faire un petit essai rapidement. Et si par exemple tu peux te mettre en fonction photo. La fonction grand angle vous permet de faire des photos, mais vraiment de famille, quoi. Qu'aujourd'hui, on est toujours embêté, on n'arrive pas à voir tout le monde sur la photo, etc. Je ne sais pas si tu peux faire. Alors en fait, comme je viens d'enlever la batterie. Ah ben voilà, il va monter, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si Jérôme est toujours avec nous depuis Shanghai, depuis sa belle chambre d'hôtel. Tu es toujours là, Jérôme ? Oui, François, je suis toujours là, tout à fait. Parce que le labo, c'est un peu toi aussi, finalement, parce que tu en as vu des smartphones, et notamment un qui est très attendu, c'est le nouveau Honor. Oui, le Honor V8, c'est, on va dire, l'une des seules grosses et vraies annonces produits du CES Asia, en fait. Hein. Normal, parce que Honor, c'est Huawei, et Huawei, c'est chinois, donc très beau stand de Huawei. Et cette annonce, donc le Honor V8, c'est un smartphone qui est à grand écran, 5,7 pouces. Et alors 5,7, c'est non seulement plus grand que le précédent, qui était le Honor 7, mais c'est également plus grand, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le comparer, au smartphone de la marque Huawei. Et le petit dernier, le P9, ou encore le P9 Plus, donc en taille d'écran, il les dépasse tous, ce Honor V8. Et il a, particularité, un double capteur photo, 2x12 mégapixels. Et ça vous rappelle quelque chose, puisque on a vu ça également arriver sur le fameux P9. Donc le P9, on résume, c'est le haut de gamme de chez Huawei. Et le nouveau V8 Honor qui est donc un peu, une sous-marque de Huawei, des produits plus accessibles, plus d'entrée de gamme, propose également ce double objectif photo. Et là, vous allez me poser la question, bien entendu, est-ce que c'est Leica qui a fait l'appareil photo ? Est-ce que c'est Leica qui fait l'appareil photo ? Eh bien, la réponse est non. On a posé la question et c'est non, officiellement, c'est pas du tout les cas. Il faut quand même garder un certain privilège. Il faut que le P9 de Huawei puisse se démarquer. Alors, j'ai un prix, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il devrait l'annoncer à 2500 yuan, ce qui fait 350 euros. Mais ça, c'est la conversion brute et c'est pas du tout le prix qui sera probablement fixé pour la France par les services marketing de Honor. En plus, il est vendu que sur le web, Honor, on est d'accord, il est vendu que sur le web. Donc j'imagine qu'il va pas tarder à arriver en général, c'est assez rapide, au labo. Hein. Alors, on a rallumé le G5, ouais, ça marche en plus, c'est génial. Et vous allez voir donc cette fonction d'appareil photo grand angle. Raphaël va nous expliquer. Alors là, j'imagine qu'on est... En angle, voilà. Donc là, on t'entend pas, mais c'est pas grave, je vais commenter les images. Là, on est en angle classique, 16 mégapixels. Et regardez, on va passer en grand angle. Vous avez vu un peu ça ? Mais c'est génial. On a tout de suite des horizons qui sont immenses, quoi. Et en plus, alors la photo, évidemment, est un petit peu déformée, mais pas beaucoup. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa, très pratique pour se faire, par exemple, de belles photos. Photos de groupe, paysage, voilà, photo groupe, c'est hyper pratique. C'est très sympa. Ouais. Et puis, ça donne un côté esthétisant plutôt cool. Merci pour la démo, Raphaël. De rien. Tu vois, on y est arrivé. C'est oui, cool. C'est bon. Voilà, très bien. On va terminer par notre concours, donc pour cette centième. La centième de 01 Live Hebdo, je vous rappelle qu'on vous offre des cadeaux, vous nous dites que sur Twitter vous n'arrivez pas à trouver le lien pour participer au concours, c'est très simple. Vous allez sur la home de 01net.com, voilà, www.01net.com. Vous scrollez un petit peu la page, vous arrivez en fait à la question
qu'on vous pose, à quel service de streaming musical êtes-vous abonné. Et c'est juste au-dessus, vous avez un petit bandeau, vous cliquez, et puis vous laissez vos coordonnées, et vous répondez à la question qu'on vous pose. Voilà, j'espère que j'aurai moi-même répondu à la question que vous posiez sur Twitter. Jérôme, on va se dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve pas la semaine prochaine. T'es pas là la semaine prochaine aussi. Eh non, je te fais faux bon la semaine prochaine. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Je serai avec toi. Parce que toi, tu seras à la plage, on va pas dire où, pour pas que les hordes de fans te rejoignent.